Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Mon Dieu, que cela passe vite. Nous sommes déjà le vendredi 26 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, eh bien merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir présentement. Aujourd'hui, eh bien j'ai pigé santé. Et si vous pouviez prendre soin de votre corps, est-ce que vous prenez soin de votre corps? Et s'il était le gardien de votre âme sur terre, n'oubliez pas qu'il est votre véhicule sur terre. Les personnes spirituelles ont quelquefois des difficultés à être pleinement ancrées dans leur corps, comme si elles recherchaient une connexion divine en apesanteur, c'est-à-dire hors d'elle-même, hors votre âme. Eh bien, votre âme, elle a choisi votre corps tel qu'il est. En apprenant à l'aimer et à en prendre soin, eh bien, votre vie sur terre sera plus légère, éveillée et vibrante. Alors, eh bien, prenez soin de votre santé pour célébrer votre vie sur terre et faire plaisir à votre âme. La santé, c'est important. Vous le savez comme moi, si nous n'avons plus la santé, nous n'avons plus rien. Nous avons beau peut-être avoir des millions en banque, mais nous ne savons pas quoi en faire puisque nous n'avons pas plus la santé, on ne sait plus rien faire. Donc la santé, ça vaut tout l'or du monde, n'est-ce pas? Alors, comment prendre soin de votre corps aujourd'hui? Il est important que vous preniez conscience de la manière dont vous le traitez. Comment vous nourrissez-vous? Est-ce que vous vous arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim ou êtes-vous une personne qui doit finir son assiette? Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, vous fumez ou vous buvez régulièrement de l'alcool? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous vous étirez? Est-ce que vous étirez votre corps régulièrement? Est-ce que vous avez des pensées bienveillantes ou le critiquez-vous plusieurs fois par jour? Eh bien, il faut bien répondre à ces questions, n'est-ce pas? Alors moi, je vous invite à vous amuser. À vous amuser à modifier une habitude cette semaine. Par exemple, je m'offre 10 minutes le matin pour étirer et tonifier mon corps. Chaque matin, eh bien, je me dis des mots d'amour. Je ne bois pas d'alcool cette semaine ou ce mois. Je marche au lieu de prendre le bus. Je monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Voyez, notez ce que vous avez choisi de réaliser. Il y a des tas de choses que vous pouvez choisir et que vous pouvez modifier pour être en harmonie avec, eh bien, votre mental, votre âme et votre corps. N'oubliez pas, encore une fois, que votre corps vous véhicule et que s'il n'est pas
Si vous n'y prenez pas soin, eh bien, ça va être fort, fort compliqué, n'est-ce pas? Et comme mantra aujourd'hui, eh bien, mon corps et moi, c'est pour la vie. Mon corps et moi, c'est pour la vie. Mon corps et moi, c'est pour la vie. C'est pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile. De penser que notre corps a besoin d'être sain, que c'est nous autres qui procurons tout ça à notre corps. Et c'est vrai que quand on est fumeur, quand on prend des médicaments, quand on, voilà, n'importe quelle addiction, eh bien, on ne pense pas à son corps. C'est, oui, c'est peut-être à partir d'un certain âge qu'on se dit qu'on a maltraité son corps et qu'on en paye les conséquences et qu'il faut remédier à tout cela. Et tout ça, c'est pas facile. Et je parle par connaissance de cause, hein, parce que bon, si on parle de la cigarette, vous voyez, moi j'ai fumé pendant 30 ans et j'en ai vraiment des séquelles. Et malheureusement, des séquelles qui sont irréversibles. Donc, voilà, quand je dis c'est pas facile, c'est vrai quand c'est pas facile. Mais lorsqu'on a la volonté, on peut y arriver. On peut tout quand on a la volonté. Et demandons à nos anges de nous aider. Voilà, je vous souhaite... Ah non, non, excusez-moi, j'étais vraiment partie dans mon truc là. Je termine avec le secret au quotidien de ce vendredi 26 janvier. Lorsque vous commencerez tout juste à gérer consciemment la fréquence de votre être, c'est-à-dire par le biais de vos pensées et de vos sentiments, vous constaterez peut-être que vous connaissez des hauts et des bas, que vous passez d'une fréquence à une autre. Mais cette étape est très brève et en un rien de temps, vous commencerez à vous stabiliser sur une fréquence plus élevée. Et puis, encore plus élevé, vous élevant sans cesse et pour toujours. Vous avez dû vous exercer avant de pouvoir marcher, n'est-ce pas? Mais vous y êtes arrivé grâce, eh bien, à votre détermination. Il n'y a pas de différence. Je vous souhaite une excellente journée et puis un très très joli week-end dans l'amour inconditionnel, dans la gratitude, n'est-ce pas? Puisque nous avons parlé de gratitude cette semaine. Et puis moi je vous dis, on se retrouve dans une prochaine capsule. Portez-vous bien, prenez soin vraiment de vous, c'est important. Prenez soin de votre corps, votre véhicule. Je vous embrasse tout fort. À très vite.